Oui, allô? Nous sommes en direct de la télévision. Oui, bonjour, vous êtes en direct, comment vous allez? Moi, ça va. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Ah, vous appelez depuis mon atelier. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, c'est un témoignage ou un sujet de prière ce matin? Oui, c'est ma mère voulait la prophétie dans sa vie. Elle a? C'est ma mère, elle voulait la prophétie dans sa vie. Ça ne va pas, les forces financières et tout. Elle voulait une prophétie pour savoir ce qui ne va pas véritablement. D'accord, votre maman, passez-lui le téléphone. Elle parle français. Allô? Oui, bonjour maman, comment ça va? Voilà, vous êtes d'où? J'ai envie de dire Mbombokiri, c'est Mbombokiri ou c'est quoi? Allô? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Je sais que vous êtes à Monatele. Vous êtes natif de Monatele? Non, je suis natif de Bomoka. De? Vomeka? Oui. D'accord, attendez, Mbombokiri là, c'est quoi? Vous connaissez Mbombokiri? Mbombokiri, ça veut dire quoi? Allô? Oui, allô? Oui, Mbombokiri, ça veut dire quoi? Oui, Mbombokiri, c'est quoi? Mbombokiri, c'est bonjour. Vous connaissez quelqu'un dont le patron dit Mbombokiri? Demandez à votre mère. Mbombokiri, c'est bonjour. Elle dit que Mbombokiri, c'est bonjour à notre patron. Je sais que Mbombokiri, c'est bonjour. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui parle ce patois? Quelqu'un qui parle le patois, c'est déjà quoi? Ewondo? Oui. On parle au patois. Vous connaissez quelqu'un qui parle Ewondo? Je vous l'ai dit, Ewondo. Non. Est-ce qu'elle ne connaît pas? D'accord. Bon, allô? Oui, allô? Oui, je vais prier pour vous. Vous comprenez? Oui. Je vais prier pour maman. Je veux parler à votre mère. Je veux parler avec elle. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Allô? Oui, maman, vous me suivez? Allô? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? D'accord, écoutez, je vais prier avec vous, vous comprenez? Parce que vous ne devriez même plus être vivante à l'heure où on parle. Vous avez été malade, vous avez été beaucoup malade. Et c'est le Seigneur qui vous a sauvé. Et cette maladie, votre maladie n'était pas une maladie simple, ça c'était une attaque de la sorcellerie. Est-ce que vous me suivez? Oui, écoutez, je vous ai vu, Grumiwa Inna Abrosma. Attendez, regardez, je vous ai vu malade, vous avez été malade. D'accord, maintenant écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. On va prier pour votre maison, pour que le Seigneur vous délivre. Vous comprenez? Je vais prier que le Seigneur vous délivre, parce que dans votre maison, il y a quelque chose qu'il faut chasser. Et c'est pour ça que je veux prier. Je vous ai vu avec une amie à vous qu'on appelait aussi Maman Françoise. Hein? Je dis, hein? Je vous ai vu avec une femme qu'on appelle Françoise, Maman Françoise. Qui était comme une amie ou je sais pas, comme une amie, quelque chose comme ça. Elle est où? Elle est pas ici avec moi, elle est à la traversée. Elle est où? Elle est à la traversée. On l'appelle comment? Sa soeur. D'accord. C'était une apprentie, mon apprentie. D'accord, maintenant je vais vous dire quelque chose, ok? Allô? Allô? Vous avez quelque chose comme
un foulard, comme une écharpe qui est perdue. Comme quoi? Un foulard, comme l'écharpe qui est perdue, une écharpe. Non, ce n'est pas l'écharpe. Allô? Allô? Vous me suivez? Je dis que vous avez un tissu qui était comme l'écharpe ou le foulard, quelque chose comme ça, mais qui est perdu. Oui. Vous me suivez? Oui, j'ai compris. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, attendez, je vais prier parce que je ne veux pas causer des polémiques. Je ne veux pas causer des polémiques. Je ne veux pas causer des polémiques. Quand on vient chez vous, dans votre maison, quand on vient chez vous, dans votre quartier, hein? Dans votre quartier, oui. Écoutez, dans votre quartier, il y a une maman, il y a une dame qu'on appelle maman, ou c'est maman Marché. Maman Marché. Marché, c'est Marceline. Marceline. Oui, Marceline. Oui. Vous la connaissez? D'accord. Bon, je vais vous donner un conseil, tout simplement. Ok? Oui, je n'entre pas dans les détails. N'achetez pas les croquettes chez elle. Et je vais prier que celui qui a pris votre écharpe, celle qui a pris, parce que c'est une femme, qui a pris votre écharpe, on a amené ça quelque part. Que Dieu vous garde. Tout ce qu'on va faire contre vous, parce que vous êtes malade, c'est dû à la sorcellerie. Vous ne savez pas. On vous a envoûté. Je vais te financer pour la femme à mon père. Madame, laissez-moi vous diagnostiquer. Oui. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que votre maison est envoûtée. Vous me comprenez? Votre maison est envoûtée parce que Dieu m'a amené dans votre maison. Je suis entré dans une maison en briques de terre. Hein? Je suis entré dans une maison en briques de terre, en semi-dur. Hein? C'est ça? D'accord, j'ai compté 1, 2, 3. Il y a 3 chambres dans votre maison avec une petite cuisine interne. Et la cuisine interne, sa fenêtre regarde à la façade. Hein? La fenêtre regarde à la façade. D'accord, maintenant écoutez, la maison s'y est envoûtée. Vous me comprenez? La maison qui est quoi? Envoûtée. Oui, envoûtée. Envoûtée, ensorcelée. Il y a un jeune homme qui venait travailler à la maison chez vous, qu'on appelait Papi. Oui, père. Hein? Oui. Vous vous souvenez de lui? Oui. Il est où maintenant? Il est au village de mon frère. D'accord. Maintenant, écoutez. Je voudrais juste que vous compreniez que vous n'êtes pas bien entouré. D'accord? Oui, père. Faites attention. Vous n'êtes pas bien entouré. Restez tranquille. Maintenant, voici ce qui va se passer. Lundi. Pas lundi si, l'autre lundi qui vient. Allô? Allô? Lundi sur prochain, il y a une femme qui va venir chez vous, à la maison, pour vous offrir un cadeau. Et la femme, si Dieu va vous révéler la personne, l'une des personnes les plus dangereuses autour de vous, vous la reconnaîtrez comment? Parce que lundi prochain à 10h, elle va venir chez vous. Je la connais. Je connais son nom. Si vous voulez, je vous donne le nom. C'est ça le problème. Vous voulez, on vous donne le nom. Elle vient chez vous lundi, je suis prochain à 10h. Pardon? Vous voulez? Non, attendez. Je préfère ne pas parler en direct. Ok? Oui. Oui, elle viendra chez vous lundi, je suis prochain. Quand elle va arriver chez vous pour vous offrir un cadeau, faites-la asseoir. Dis-lui que je savais que tu vas venir. Et je sais tout le mal que tu as fait à ma vie et à ma famille. Mettez-la sur place, là, vous parlez. Elle va vous dire des choses que vous-même vous aurez peur après. Oui, il faut prier pour moi, frère. Jésus va finir. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous garde, qu'il vous préserve, qu'il vous protège. Dans le nom souverain de Jésus, toute pratique maléfique contre vous retourne à l'expéditeur. Recevez la protection divine au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, merci.